Bonjour à tous, le topic qui nous va guetter aujourd'hui, c'est une cause. Le topic c'est contrôle système. Voilà, contrôle système, le coup de bande sensors, hardware, voilà. Correct, monitoring and control. Voilà, ça c'est le topic qui nous va envie de discuter aujourd'hui. Sensors, dans input device, sensors, what is a sensor? Allez, maintenant nous guetter qui va être présent. Voilà, va être présent là, nous faire cette attendance et le topic qui nous va discuter aujourd'hui. Grade NIF, ça correct. Allez, allez, print screen. Voilà, attendez, c'est bon, c'est l'équipe présente. Correct, grade. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre 2021. Ok. Et grade 10. Grade 10, piton. Voilà. Correct. Voilà, ben je l'ai équipé. Ok, ok. Maintenant, je vais être à moi. Quelqu'un vous a répondu là, je vais être à moi. Oui. Allez, nous continuons. Sensors, qui veut dire sensor? Et sensor, il y a un input device. Ok, qui veut dire un input device? C'est-à-dire, il prend des états. Un sensor, il détecte, il prend des états. Ok, un sensor, il y a un automatic input device. Qui veut dire device? Il y a un input, automatic input device. Voilà, c'est ce qu'on appelle record. Après, nous pouvons voir les autres YouTube. Ok, so what is a sensor? A sensor is an input device. Ok, qui veut dire input device? Un automatic input device. Et qui les mesure? Les mesure by physical changes in the environment. Par exemple, un sensor les mesure temperature. Et le sensor qui mesure temperature, on appelle le thermomètre. Comment on appelle le thermomètre? Et le sensor qui mesure pressure, on appelle ça baromètre. Le sensor qui mesure acidity ou alkalinity, on appelle ça pH sensor. pH sensor. Bon, il y a plusieurs sensors. Sensor mesure humidity, acidity et temperature, pressure, plusieurs qualités de sensors. Mais dire sensor, what is a sensor? It is an automatic input device that measures physical changes in the environment or surrounding. Physical properties, c'est temperature, pressure, acidity. Même le sensor mesure wind speed. On appelle ça anémomètre. Anémomètre, les mesure speed, wind speed. Wind direction, on appelle ça wind vane. Et amount of rainfall, on appelle ça rain gauge. Bon, il y a plusieurs qualités de sensors qui mesurent ben, changement climat dans l'environnement. Maintenant, sensors normalement, ils mesurent des états en analogue. Correct, vous dites ça signal là, il y a analogue, montée descente. Et un ADC, c'est quoi? Un appareil. Il convert cet analogue signal là en digital pour les cas servir le computer. Digital veut dire 0 avec un. Analogue veut dire montée descente, ben curve, ma sine curve. Et d'ici, il convert cet analogue signal là depuis ben sensors, les faire digital pour les cas servir le computer. Voilà, je vais expliquer what is a sensor. A sensor is an automatic input device that measures physical changes in the environment. Et physical changes, nous disons toi, plusieurs qualités physical changes, nous en a dans l'environnement, comme temperature, temperature, nous disons thermomètre, pressure, nous disons baromètre, acidity, alkalinity, nous capable mesure un pH sensor. Et comme ça, nous en a encore ben sensors. Et tous les sensors, normalement, les mesures data analogues. Et nous avons l'appareil qui convertit ça analogue là, digital, on appelle un ADC. Il dérive une digital. Voilà, ADC, il convertit analogue signal au digital. Voilà, les sensors. Maintenant, nous vous guettez type de sensors. Sensors qui mesure température, on appelle ça temperature sensor. Et les codes servili, il y a un heating system, comme un air conditioner. Aircon, il check heating and cooling system. Heater, cooler. Nous aussi, c'est évident d'avoir un chemical plant. Chemical plant veut dire l'industrie chimique, que tu peux mesurer la température à haute température. Et là, la place nous servit thermomètre, là-bas nous servit thermocouple. Thermocouple, c'est là-haut 1000 degrés. Maintenant, nous avons aussi
quand on mesure la température, c'est dans un greenhouse. Dans un greenhouse, on appelle les nurseries, quand on grow plants. Ok, nous contrôlons cette température. Voilà. So, dans l'examen, il y a une question, where temperature is being controlled? Là, tu as dit heating system, cooling system, chemical plants, tu as dit greenhouse. Et là-bas, qui est le sensor, nous servit temperature sensor. Temperature sensor, normalement, il mesure en analogue. Voilà. Et là, il convertit en NDC, il fait une digitale, il servit dans le microprocesseur. Maintenant, il y a aussi moisture sensor, mesure l'humidité. Qui veut dire moisture? L'humidité. Qui veut dire l'humidité? Level of measure the water level in the air. Ok? Voilà. Maintenant, quand nous servons ça aussi, nous servons dans greenhouse, nous mesure soil, moisture in the soil or in the environment. The food processing factory, nous servons ça. Humidity? Voilà. Humidity is slightly different from moisture. It measures the amount of water vapor. Ok? Ok, amount of water vapor et sample of air. Voilà, et humidity, nous check de bâtiment, nous check de factory, nous check de quand on fabrique un microprocesseur, de un greenhouse, nous check l'humidité. Il y a aussi light sensor. Light sensor, c'est un cell qui détecte quand c'est la lumière et dans l'environnement. Nous avons servi de caméra sur la street light chemin. Dans le chemin, nous avons un sensor pour faire noir la lumière allumée automatique. Ok, mais là aussi il y a un corps headlights, il y a l'image automatique comment faire noir. Ok, il y a un infrared sensor, infrarouge, et ça lui servit pour détecter une personne son mouvement sur là. Correct, un intruder, on appelle ça le burglar alarm system. Ok, il y a décalé infrared, active avec passive. Il y a un pressure sensor, il mesure bon, il y a décalé de pression là. Un pressure, atmospheric pressure, qui mesure par baromètre. Un autre pressure, là, nous applique pression là-dedans, nous peser avec nos pieds sur la roule auto, roule là-dedans. Ça, est le type de pressure. Bon, weighing lorry, les gros machines, les limites d'une balance qui mesure ce poids, et qui passe les pressure sensor. Voilà, le nuclear reactor, le gas pressure. Acoustic sensor, il mesure son. Et normalement, il y a un micro, ça. Il mesure son. Et quand c'est avéré, il y a du monde qui va marcher, tout ça, il détecte la présence d'une personne dans un pipe, quand il amène pétrole, gaz, dans un pipe, dans un tuyau. Il détecte un leakage. Leakage veut dire une partition. Ok? Et aussi, voilà. Maintenant, gas sensor, il mesure l'amount of gas in the environment, il y a oxygène, il y a carbon monoxide, etc. Écoute, c'est avéré dans l'airport, ok, dans un greenhouse et dans le corps exhaust. Qui veut dire exhaust? Tuyau d'échappement. pH sensor, il mesure acidity. Le sol, c'est avéré dans le greenhouse, ok. Magnetic field sensor, ok, c'est un sensor qui sert avéré pour le anti-lock braking système pour l'auto. L'auto sous frein. Servi magnetic field sensor et servi dans mobile phone, dans CD player, il était ouvert sur la porte, défini qu'on est ouvert. Accéléromètre, sensor qui mesure motion, vélocité, etc. Servi dans rapid acceleration, l'airbag ouvert, l'air crash of the car. Proximity sensor, servi dans mobile phone, switches, the car, le tour, il était ouvert sur la porte. Flow rate sensor. Ok, movement of gas liquid, the respiratory device inhalers, the hospital, the flow of gas pipe. Level sensor use ultrasonic, un son bien minime, et servi dans un tank, et résistance, etc. The petrol tank in car. Voilà différents types de sensors qui nous guettent. Allez, une question avant l'enfant. Maintenant, moi, je vous pose une question. Soba, what is a sensor? A sensor is an automatic input device that measures physical changes in the environment. Très bien. Batubara, list the different types of sensors. Temperature. Temperature sensor après
exposure, humidity, light, infrared. Right. Sinapiel, where temperature sensor is used? Ali Mukin, where temperature sensor is used? Dinu, where temperature sensor is used? In thermometer. No, temperature sensor and l'exemple de temperature sensor is thermometer. Mais could serve it. Application with a could serve it. Could serve it temperature sensor. Central heating system. Ouais, central heating or cooling system. Aircon. Dans un pays qui fait beaucoup frais là-bas, nous avons un heating system. Ok? Next, dis-nous. Where moisture sensor is used? In greenhouses. Ok. Et next, where light sensor is used? En radon. Street lights. Ok. Next person, Jahali. Where infrared sensor is used? Tenant call part security alarm system. Okay. Next, where pressure sensor is used? G2. Waning of weight of lorries. Okay. Ram Gulam Shahir, where acoustic sensor is used? It detects the sound of liquids. Well, leakage, okay, dripping or leakage, okay. Next, which line are we on? Rampo it up. Where gas sensor is used? Monitor pollution levels at the airport. Okay, next, Soba, where is pH sensor used? In greenhouses. Okay, next, Batubara, where magnetic field sensor is used? Anti-lock braking system in cars. Ouais. Okay, bon, moi je pensais correct là. Un dernier mot demandé. Chinapiel, where is level sensor is used? Chinapiel parla moko. Mukin. Allez, dis-nous. In petrol tank in the car. Ouais, the level of petrol in the tank. Ok, maintenant là, nous trouvons sensor capable de servir de deux qualités de choses. Ok, il y a deux types de systèmes de pégéti. Un appelle monitoring, un appelle control. Ok, sensors are used in monitoring and control. Bon, quelle différence il y a entre monitoring avec control? Qui veut dire control system et qui veut dire monitoring system de pégéti ça là? Ok, l'IALI, le bouquet de salon. Il y a le monitoring et il y a le contrôle. L'IALI,
Ouais. Oui, quelle différence il y a entre un control system avec monitoring? Ils ont lié à notre ça? Allez, nous posons une question là. Hein? Voilà. Là, je vais vous montrer certaines affaires qui sont intéressantes. Ça n'a pas fini. Voilà, ça n'a pas été. Voilà. Vous avez trouvé là? Allez, vous avez attendu? Allez. Vous avez guetté la bande d'enfants, oui ou non? Vous avez répondu? Correct. Allez, je vais vous montrer certaines des affaires là. Vous avez guetté ça bien là. Hein? Voilà, guetté là. Ça, mettez comme ça. Ça va en sensor, ça. Sensor, sensor. Sensor dans l'appareil, il y a plusieurs cas de sensor. Sensor a un signal dans l'appareil. Ça, dans l'appareil, ça. À travers une interface, ça, interface là, appelle ADC. ADC. Veut dire Analog Digital Converter. Veut dire, tu as un analog signal. À travers ADC, il convert, il vient 0, N, 0, N, N, 0. Comme ça, il est censé, il vient dans le microprocesseur. Veut dire, ça va sensor là, c'est input. Ça va sensor là, ça qui était input. Et ton microprocesseur qui fait, il processe. Et là, ça va un output device. Qu'est-ce que ça? Output. Ok, un output device. Un output device, nous avons un light, nous avons une sirène, light. Ça. Et là, il est reconverti par un DAC. DAC, il est vin le un output device. Bon, qui veut dire DAC? Il veut dire digital, analog. Converter, il pourrait venir analogue. Si on l'a pour revenir analogue comme ça. Mais il est analogue depuis 25 ans avec ADC, il vient digital et microprocesseur, il processe sa data là. Voilà, microprocesseur, il processe sa data là, il sens il prend une décision. Mais là, à travers DAC, il réfère sa digital là, il analogue, il y a un output device. Maintenant, suivant d'affaires bien. Dans monitoring, c'est ça qui est arrivé. Monitoring veut dire sensor détecté un changement. Il envoie un signal au microprocesseur et le microprocesseur il envoie un output. Ça, on appelle ça monitoring. Mais le contrôle système qui le fait, contrôle, il prend sa output qui est sorti là, il envoie comme un feedback, comme un input. Veut dire quand un output réservé comme un input, on appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça contrôle. Contrôle, c'est seulement l'être output réservé comme un feedback, il fait une loop. Il fait une loop, voilà, il fait une loop, il tourne comme ça. Ça, ne peut contrôler. Contrôle veut dire, ne peut appeler ce système-là out of control. Veut dire, control veut dire output is reused as an input, c'est un appel ça feedback mechanism. Bon, il y a des affaires. Monitoring ou pas pour qu'on contrôler. C'est sous monitor. Ok, ou fait une action ou get réaction. Mais seulement, ça, on appelle ça monitoring. Contrôle, quand nous prenons une action, nous réservons comme un input, nous check réaction, il vient un monitoring. Bon, je vais expliquer maintenant. Nous venons dans notes. Dans notes, nous allons expliquer toi qui différence est là. Voilà. Ça, dans tous les dés, le contrôle avec monitoring. Voilà. Et il y a certaines questions qui sont similaires. Tous les dés, c'est là. C'est un contrôle système, c'est un enfant. Très bien, vous pensez que les enfants peuvent comprendre. C'est un contrôle système, ça monitoring. Mais tous les deux, il y a certaines choses pareilles. Tous les deux, il y a un sensor. Tous les deux, et ici, il fera un analogue signal, il fait le digital. Tous les deux, il y a un code microprocesseur. Mais monitoring, il produit un output, et ça output-là, il processe du boulot guetté. Il n'est pas capable de réserver comme un feedback. Par contre, contrôle système, c'est un output qui produit là par un actuateur, et il réenvoie à travers feedback dans un sensor. Il réserve comme un loop. Ça, on appelle ça control. Control veut dire nous bring the system within control. Nous faisons une loop. Mais monitoring n'est que l'output. Il n'y a pas amène le contrôle. C'est la même différence. Le control est un feedback. Le monitoring paye un feedback. Question pour moi? Maintenant, on va vous donner l'exemple de contrôle avec monitoring. Vous allez comprendre plus bien. Voilà, nous venons là. Monitoring, ben, l'exemple pour monitoring avec ben, l'exemple pour contrôle. Monitoring, par exemple, nous avons un patient sur health, sur la santé dans l'hôpital. Et je vous donne une photo là, si capable, si il y a une photo là dans sa livre là, tu peux bon, mais je ne vois pas quoi il y a dans sa livre là. Nous avons un monitoring. Non, dans sa livre là, je ne vois pas quoi il y a dans sa livre.
Il y a des systèmes de livres, non? Non, il n'y a pas de doute dans ce livre-là. Ok, voilà. Patient Health the Hospital. Mais il n'y a pas de doute de photo. Ok, ça, monitoring ça. Maintenant, vous pouvez essayer de doute une photo sur Internet si vous êtes capable. De doute une photo sur Internet. Quand vous pouvez montrer les autres monitoring. Voilà. Voilà, monitoring. Monitoring patient health. Health in hospital. Voilà, je vais get monitoring. Je vais get une photo. Voilà, get là. Je vais vous trouver. Qui est arrivé là? Ouais, voilà ça. Get sa photo là. Un patient de l'hôpital et nous connecter ben sensors avec lui. Nous avons ce heartbeat. Nous avons un coup si nous avons une photo plus bon que ça. Un coup. Voilà, peut-être là, dans nous avons une photo. Voilà, ça m'était plus bon. Allez, get sa photo là, je comprends ce qui est arrivé. Nous avons monitor and patient health the hospital. Get là. Qui est arrivé? Ce patient là, nous connecter ce heartbeat et soit ce breathing rate. À travers les sensors. Correct? Et ce sensor là, il dans l'appareil. Et l'appareil là, checker si le patient a son heartbeat bien augmenté ou bien baissé, il affiche ça là sur l'écran. Je trouve ça sans moi là. Ou bien il fait un beep, un buzzer, ping, 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 veut dire, du moins là, sur l'état critique. Veut dire, nous service sensors, sensors collectés d'état, nous n'avons qu'un des sensors ici. Temperature sensor, pressure sensor, breathing rate sensor, heartbeat rate sensor. Il y a plusieurs sensors connectés dans l'écho. Et ben sensor là peut collecter des états à travers ADC. Il y a dans microprocesseur checker si ça des états là pour sensor là est normal ou bien abnormal. Si abnormal, il peut faire un flashing of light, il peut faire un beep, un buzzer pour attirer l'attention sa nurse là. Ok? Voilà mon mot de résultat comment travaille. Maintenant, nous guettons ça ne dit pas. Voilà. Nous avons un patient sur Help et Monitor pour avoir l'appareil de l'hôpital qui va sensor nous servir. Allez, là, nous demandons un des élèves répond qui va sensor nous servir. Soba. Qui va qui souhaite vous connecter à Jimoun là pour qu'il check qui va nous faire. Nous collectons un sensor pour input là-dedans. Allez, nous guettons un coup de notice là qui nous donne. Allez, qui est-ce que nous pouvons connecter? Temperature sensor, heart rate sensor, breathing rate sensor. Ouais, tout ça, c'est un sensor là, nous pouvons connecter. Nous pouvons connecter du moulin sur temperature, sur heartbeat, sur breathing rate. Nous connecter tout ça, c'est un sensor là, avec du moulin. Et ça, c'est un sensor là, nous pouvons connecter du moulin sur l'état. Il peut aller à travers le câble. Il peut aller à travers un converteur, ADC. Qui fait le code ADC parce qu'il les analog digital converter. Le sensor là est analog, il peut convertir en digital et il peut envoyer dans le microprocesseur. Et le microprocesseur, il peut analyser cette donnée là depuis le sensor là, il peut comparer. Est-ce qu'il est normal ce heartbeat? Est-ce qu'il est température normale? Est-ce qu'il est breathing rate normal? S'il est normal, il est correct. S'il n'est pas normal, il peut activer votre output device. Et votre output device, ici, on appelle ça actuator. Et qui est actuator? Pour déclencher ben alors ok et ben la lumière pour flash etc et niveau alert sa patient là. Correct. Allez, question pour moi là, je suis supposé connaître dans l'hôpital. Voilà, nous sommes dans l'hôpital, patient là connecté ben sensor li, à travers ADC, ça m'a signal qui vient à travers sensor là, les convertir digital. Il y a dans microprocesseur ça l'appareil là, l'appareil là il compare sa data from sensor là avec ce stored value, une valeur normale. Et il est là à travers DAC, il y a dans un output device comme un flashing of light, comme un sound, un alarm, soit l'écran, il donne un résultat. Allez, nous regardons un coup qui vient de nous. Voilà, nous venons là. Sensor, la liste de sensor, de ADC qui diffère, de microprocesseur qui diffère, avec de actuateur qui diffère. Bon, ça va, qui se là, il faut. Sensor collecter information, les collecter un petit monde là sur l'écho,
Les collecter information de sur température, le sur heartbeat, le sur breathing rate, tout cela, ben data là, puis collecter avant ça, cela, les passe à travers ADC, les collecter, il y a d'autres microprocesseurs, microprocesseur prend sa main valeur, ça, cela, les comparer avec ce valeur normal pour du monde, compare with a stored value valeur qui un programme sa machine là. Si les out of control, il active ben actuateur c'est ben output device. Comment la lumière commence flash, son commence émettre. Allez, question pour moi? L'enfant, question pour moi, je ne comprends pas ça pour toi. Dans hospital, le type gate, monitoring system, le type gate, and patient monitoring system. Maintenant, nous pouvons un autre monitoring system. Nous pouvons voilà, la liste des monitoring system qui nous peut causer, patient in hospital, après nous pouvons burglar alarm system. Qui veut dire burglar alarm system? Deuxième monitoring system, nous pouvons guetter. Burglar alarm system, c'est-à-dire système surveillance caméra dans la case. Ok, dans la case, on a besoin de burglar, c'est-à-dire voler alarm system. Voilà, get burglar alarm system, c'est un truc comme ça. La case nous met de côté, le voleur rentre, nous trouve, nous poussonner. Voilà, nous get ça comment passer. Nous pouvons comprendre l'entièrement. Voilà, quand vous mettre ce code dans la case, il y a un sensor, nous pouvons rouler une photo pour qu'elle explique plus bien. Voilà, si nous avons une jolie photo pour expliquer ça plus bien, pour vous. Ça, c'est un sensor qui nous servit. Là, il peut monitorer avec ce portable. Maintenant, le cas est sans là, si je te dis. Sa photo-là, il explique un peu de choses. Ok, nous essayons d'agrandir. Pour les enfants qui comprennent, dans une sur la case, voilà, dans une photo. Il y a plusieurs alarmes, curtain detector, smart socket detector, smoke detector, il y a un PIR. PIR, c'est motion detector. Ok, ben motion detector est dans la cour, dans la fenêtre. Et tout cela est connecté avec un appareil. C'est l'appareil là, c'est tout ça, ben motion sensor là, il y a un signal de l'appareil là. Et l'appareil là, voilà, nous vous expliquons comment ça marche. Maintenant, il vient là. Je viens là, si tu veux. Voilà, burglar alarm system. Burglar alarm system, pareil comme on dit, il suit le même principe. Voilà, nous avons un sensor. Voilà, ça nous avons un sensor, acoustic sensor, ça nous avons un sound sensor, infrared sensor, détecter motion, pressure sensor, et nous pouvons sur les pieds là. Tout ça, un sensor là, passeport au ADC, je te connais ADC, mais déjà fini de jouer. ADC. Il y a d'autres microprocesseurs. Et le microprocesseur, il prend décision pour checker, il prend la valeur, et puis dans le sens là, il compare avec ce store value. Et là, il passe par DAC. DAC convertit ça digital signal là en analogue, il y a d'abord un output device. Et ça va un output device là, on appelle ça actuators. Voilà, burglar alarm system, DCRV, le cas, mettre un password, un code là-dedans, le cas, activer le sensor. Bon, qui va un chip sensor, nous va servir infrared sensor, qui détecte le mouvement of intruder, intruder veut dire voler, acoustic sensor, qui mesure, il détecte les footsteps, quand je vais marcher, soit breaking of glass, il y a pressure sensor, et je vais mettre sur les pieds là-dedans, il fait un weight, il détecte. Maintenant, comme ça, on a plusieurs types de sensors qui nous disent. Le burglar alarm system. Et là, nous servons ADC pour convertir ça analogue signal là, depuis ce sensor là, il fait une digital. Microprocesseur, il checké, c'est ce qui s'appelle ce sensor là, il active ou ça inactive. Comment il est activé? Et là, il déclenche une sirène, une light commence flash, soit même il dial la propriété là, sur le téléphone, soit il dial la police. Bon, voilà, nous avons un type burglar alarm system, nous avons un type health monitoring de patient de l'hôpital. Maintenant, nous avons des monitoring systems, cette fois-là, nous pouvons avoir un control system. Monitoring, nous avons un hospital, nous avons un burglar alarm system, il y a plusieurs encore, il y a pollution detected de river, etc. Maintenant, nous pouvons avoir un control system. Control system, comment il est différent avec monitoring? Voilà, control system qui nous permet nous avoir des street lights. Voilà, street lights. Dans le chemin, voilà, il y a bah, l'ampoule, la lumière. Il est allumé automatique. Je ne peux pas laisser la ligne. Comment il marche? Il y a un sensor de ça, la lumière. Ce sensor-là, comment faire? Light sensor détecté. Comment faire un noir, un soir, soleil, infini, couché. Light sensor détecté qui peine à la lumière.
et il convertit lui en ADC, il a envoyé un microprocesseur, mon microprocesseur a envoyé un là de DAC, et là, street light, le bulb, il allume. Et s'il n'est pas dans l'image, il vous réenvoie un feedback, ça output là, réservé comme un input pour ce sensor, il contrôle. Ça, on appelle ça control. Control veut dire, ça output là, il réservé comme un input. Bon, light sensor, qui sensor peut servir? Light sensor pour détecter si pas il y a une sunny day, il y a une cloudy day, une rainy day. Et d'ici, pour prendre ce sensor-là, ça va valer, il va convertir, il va envoyer dans microprocesseur. Microprocesseur pour comprendre, ça va valer depuis le sensor-là. Et avec ça, valeur qui store dans ce microprocesseur-là. Et là, il va activer ce bad actuator. Et dans ce cas-là, actuator, c'est street line. Et il n'est pas pour prendre valeur chaque seconde, mais chaque 30 minutes, il vous prend. Si n'a pas là, c'est là pour flicker. Il pourrait s'alimenter et alimenter. Comment un nuance peut passer, il vous alimente. Comment un nuance a fini par passer, il vous tient. Il vous flicker. Mais pour empêcher le flicker, il ne va pas prendre de données là chaque seconde. Il prend chaque 30 minutes. Voilà, nous disons que. Maintenant, il y a un anti-braking system dans l'auto. C'est même avec ça frein. Auto, frein. Ok, frein comment travaille, ça s'appelle ABS. ABS appelle ça anti-braking system. Il empêche frein là tasser. Il empêche le frein, il empêche de tasser là-bas. Il veut dire release ça frein là. Bon, ben sensors, nous avons un sensor dans la roue d'auto qui détecte si la roue est bloquée ou ça pas bloquée. Ça va un sensor là, envoyer des data de microprocesseur et microprocesseur il checker si ben tout ben la roue peut rouler même vitesse. Si pas peut rouler même vitesse, veut dire eh ben la roue capable de bloquer, là il peut débloquer. Maintenant, les enfants. Mon cause de différents types de sensors, ok. Mon cause, nous avons un coup qui nous cause aujourd'hui. Mon cause, what is a sensor? Get bien. What is a sensor? La plupart des élèves ont dit, il y a un automatic input device. Et nous disons, on va aller avec le sensor analogue, il passe par un ADC, il fait le digital, il garde le microprocesseur. Et ADC qui veut dire analogue digital converter, actuator c'est un output device qui est contrôlé par le microprocesseur. Et la liste de sensors nous causer infrared sensor, temperature sensor, acoustic sensor, motion sensor, pressure sensor, gas sensor, magnetic field sensor. Et chaque sensor peut servir, temperature sensor peut servir, humidity sensor peut servir, light sensor peut servir, the street lights, infrared sensor peut servir, pressure sensor peut servir, acoustic pressure peut servir, gas sensor peut servir, pH sensor peut servir, magnetic field sensor peut servir. Et il y a deux types de places que nous servons de sensor, nous servons le monitoring et le contrôle. Qui différence entre monitoring et le contrôle? Le monitoring, output là, ne pas réservé. Le contrôle, ça, output là, nous réservé comme un input. Voilà. Dans l'exemple, vous avez demandé l'exemple monitoring. Monitoring, souvent, l'exemple, c'est de monitor patient health in hospital, de mesure burglar alarm system, etc. Control system, the heating system. Anti-lock brake system. Et là, nous montrons un monitoring système comment passer d'un burglar alarm system. Tu as ton input, tu as ADC, tu as ton microprocesseur, tu as ton DAC. Mais là, nous allons écrire DAC. Bon, la liste des input devices, ADC ce rôle, microprocesseur ce rôle, actuator ce rôle et DAC ce rôle. Et patient pareil d'y aller comme ça. Maintenant, on arrive à la fin de la classe. Si quelqu'un a une question, il va poser moi.